Bon, comme vous savez, la série numéro 1 regroupe des applications, des notions et des résultats qu'on a déjà étudiés au chapitre 1 ou qu'il reste à étudier dans le chapitre 1. Je vous ai déjà demandé de préparer les exercices 1, 2, 3 et 4 pour cette semaine et la semaine prochaine. Vous pouvez ajouter l'exercice 5 pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon, allons-y. Commençons par l'exercice 1, qui est une application des notions sur les limites sup et limites inf des suites réelles. Donc on considère ici deux suites à valeur dans R. Vous rectifiez ici, ce n'est pas R bar, c'est R. C'est vrai aussi dans R bar, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a trop de cas à distinguer. Donc on se restreint à des suites réelles. Et bien sûr, la limite inf et la limite sup sont des éléments de R bar, ça c'est sûr. Et on suppose aussi que toutes les sommes qui figurent dans cet exercice sont définies. Bon, par exemple, cette somme est définie. Ça veut dire qu'on n'a pas la situation plus l'infini moins l'infini, de même ici et ici. Okay? Donc, si la limite inf, par exemple, de an égale moins l'infini, la limite sup de bn est différente de plus l'infini. Bon, de même pour cette somme et pour cette somme. Bon, établissons d'abord la première inégalité. Limite inf de an plus limite inf de bn égale, inférieure ou égale à la limite inf de an plus bn. Bon, on peut le faire juste en appliquant la définition. Bon, on sait que la limite inf de an, c'est sup sur n supérieur ou égal à 1 de inf sur m supérieur ou égal à n de am. C'est aussi la limite quand n tend vers plus l'infini de l'inf de am lorsque m est supérieur ou égal à n. Parce que cette suite-là, qui dépend de m, bien sûr, c'est un bn ici, est une suite croissante. Elle est croissante dans R bar, donc elle admet une limite. Voilà. Même chose pour la limite sup. Et on sait aussi que la limite sup, c'est moins la limite inf de l'opposé de an. Okay? Donc, montrons cette inégalité. Bon, on a l'inf de am lorsque m est supérieur ou égal à n plus cette borne inférieure ici, elle est inférieure à ak, quel que soit k, supérieur ou égal à n, bien sûr. Et cette borne inférieure ici, par définition, bien sûr, est inférieure ou égale à bk, quel que soit k, supérieur ou égal à n, n étant supérieur ou égal à 1. Okay? Donc, puisque c'est vrai, bon, c'est vrai quel que soit k, donc vous avez l'inf plus l'inf est inférieur ou égal à la borne inférieure de cette somme. Puisque c'est vrai quel que soit k supérieur ou égal à n, pour n fixé. Okay? Donc vous avez l'inf de am plus l'inf de bn est inférieur ou égal à l'inf de am plus bn, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc en passant à la limite, en utilisant ceci, voilà. La limite 1, c'est la limite quand n tend vers plus infini de la borne inférieure, de cette borne inférieure. Donc en passant à la limite, on obtient la limite ici. En passant à la limite, on obtient la limite inf de an, ici plus la limite inf de bn, inférieur ou égal à la limite inf de an plus bn. Vous voyez, donc c'est juste une application de la définition de la limite inférieure. Bon, on passe à la deuxième inégalité, montrant que limite inférieure de an plus bn est inférieure ou égale, pardon, est inférieur ou égal à la limite inférieure de an plus bn. Pardon. La limite inf de an plus bn est inférieur ou égal à la limite inf de an plus la limite sup de bn. Bon, pour cela, on distingue les trois cas suivants. Remarquez que si on fait passer la limite sup de bn de l'autre côté, hein, on a moins la limite sup de bn. Et moins la limite sup de bn, c'est plus la limite inf de moins bn. Et on peut appliquer l'inégalité précédente. OK? Celle-là. OK? Donc, mais pour faire passer la limite sup de bn de ce côté-là, c'est-à-dire à gauche, il faut qu'il soit fini. Parce que s'il est infini, vous risquez d'avoir ici plus l'infini moins l'infini. Donc, c'est pour cette raison qu'on est obligé de distinguer les trois cas suivants. En premier cas, on suppose dans ce cas que la limite sup de bn appartient à R. C'est un nombre réel. Donc, on a d'après I, bien sûr, la limite inf de an plus bn moins la limite sup de bn égale la limite inf de an plus bn plus la limite inf de moins bn. Et on sait que la limite inf plus la limite inf est inférieure ou égale à la limite inf de la somme, d'après I. C'est-à-dire la limite inf de an, d'où l'inégalité.
C'est une conséquence, dans ce cas, c'est une conséquence immédiate de l'égalité, de la première inégalité. Deuxième cas. Si la limite sup de Bn égale moins l'infini. Bon, la limite sup égale moins l'infini, donc la limite inf égale moins l'infini, parce qu'on sait que la limite inf est inférieure ou égale à la limite sup. Donc ça veut dire que Bn tend vers moins l'infini dans R bar. Puisque la limite inf égale la limite sup égale moins l'infini. Donc la limite de Bn égale moins l'infini. Donc la suite Bn admet une limite dans ce cas qui est égale à moins l'infini. Et bien sûr, on a moins l'infini est inférieur ou égale à la limite inf de An, inférieur strictement à plus infini. Parce qu'on a supposé dans cet exercice que toutes les sommes sont finies. Donc si la limite sup égale moins l'infini, la limite inf ici est différente de plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite inf de An est inférieure strictement à plus l'infini par hypothèse. Voilà, donc la limite inf de An, il est supérieur, il peut être égal à moins l'infini. Attention, il n'est pas fini, il n'est pas nécessairement dans R. Mais il est supérieur ou égal à moins l'infini, et il est strictement inférieur à plus l'infini. Bon, là, on sait que la limite inf est la plus petite de An est la plus petite valeur d'adhérence de la suite An. Donc c'est la limite d'une sous-suite. Donc il existe une sous-suite ANK de An, telle que la limite inf de An égale la limite quand K tend vers plus infini de ANK. Par suite, on a la limite quand K tend vers plus infini de ANK plus BNK. Regardez, ANK, elle tend vers la limite inf de AN. BNK, elle tend vers moins l'infini, parce que la suite BN tend vers moins l'infini. Donc, toute suite tend vers moins l'infini. Donc, ici, on obtient la limite de AN moins l'infini, qui est égale à moins l'infini, parce que limite inf de AN est strictement inférieure à plus l'infini. Donc, on n'aura jamais plus l'infini moins l'infini. Donc, là, c'est soit un nombre réel, ici, soit moins l'infini. Dans tous les cas, on obtient moins l'infini. Donc, vous voyez, donc la suite AN plus BN, la suite AN plus BN admet une sous-suite qui tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini est une valeur d'adhérence de la suite AN plus BN. Par conséquent, c'est la limite inf, puisque ça sera la plus petite valeur d'adhérence possible. Dans ce cas, on a même l'égalité. Donc la limite inf de AN plus BN est égale à moins l'infini, égale, on a même l'égalité ici, à la limite inf de AN plus la limite sup de BN. Troisième cas, si la limite sup de BN égale plus l'infini, l'égalité bien sûr est triviale parce qu'on aura plus l'infini à droite. Okay? Voilà donc pour la deuxième inégalité. Entrons maintenant à la troisième inégalité, c'est-à-dire montrant que la limite inf plus la limite sup est inférieur ou égal à la limite sup de AN plus BN. Bon, on a d'après 2i, d'après l'inégalité précédente, c'est-à-dire d'après la deuxième inégalité, la limite inf de moins AN moins BN est inférieur ou égal à la limite sup de moins AN plus la limite inf de moins BN. Bon, bien sûr, ici, je peux commencer par la limite inf ou la limite sup, parce que les suites jouent des rôles symétriques. Donc, je peux commencer ici. J'en ai besoin, bien sûr, de commencer par la limite sup. Bon, de toute façon, la limite inf de la somme est inférieure ou égale à la limite sup de l'une des deux suites, plus la limite inf de l'autre suite. Donc, voilà. La limite inf de moins AN moins BN est inférieure à la limite sup de moins AN plus la limite inf de moins BN. Ceci, bien sûr, d'après 2i. Donc, la limite inf de AN plus la limite sup de BN qui est égal, bon, la limite inf, c'est moins la limite sup de moins AN, et ici, c'est moins la limite inf de moins BN, donc j'obtiens ceci. Donc j'obtiens l'opposé de cette somme ici. Et l'opposé de cette somme ici, il est inférieur ou égal à l'opposé de cette limite inf. Voilà, l'opposé de cette somme, il est inférieur à l'opposé de la limite inf de moins AN moins BN, qui est égal à la limite sup de AN plus BN. D'où l'inégalité, cherchez. Vous voyez, il suffit d'établir la première inégalité. Les autres inégalités en découlent facilement. Montrons la dernière inégalité. C'est-à-dire la limite sup de la somme est inférieure à la somme des limites sup. On a toujours d'après i, la limite sup de an plus bn, c'est moins la limite inf de moins an moins bn. Vous supprimez le moins ici. On sait que la limite inf de moins an moins bn
est supérieur ou égal à la limite inf de moins an plus la limite inf de moins bn. Donc avec le signe moins, on a une gaieté inverse. Donc on obtient moins la limite inf de moins an moins bn inférieur ou égal à moins la limite inf de moins an moins la limite inf de moins bn, c'est-à-dire la limite sup de an plus la limite sup de bn. Donc ce qui termine donc la question, la solution de la question A. On a la réponse à la question A. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième question? On déduire que si AN tend vers une limite L dans R bar, cette limite est finie ou infinie, peu importe. On a alors la limite inf de la somme, c'est L plus la limite inf de BN. Là, vous avez l'égalité, bien sûr. Parce que L, c'est la limite inf et c'est aussi la limite sup. Okay? Donc la limite inf de AN plus BN égale L plus la limite inf et la limite sup de AN plus BN égale L plus la limite sup de BN. Avec L, c'est la limite de la suite AN dans R bar. Donc c'est aussi la limite inf et la limite sup. Voilà. Bon, on suppose que AN tend vers une limite L dans R bar. Alors on a d'après 1, L plus la limite inf de BN, c'est la limite inf de AN plus la limite inf de BN. Parce que L, c'est la limite de AN. Donc c'est aussi la limite inf de AN. La limite inf de AN plus la limite inf de BN est plus petite que la limite inf de la somme, d'après 1. OK? Et la limite inf de la somme, elle est inférieure à la limite sup de AN plus la limite inf de BN. Et la limite sup de AN, c'est L, puisque AN tend vers L. Donc, c'est la limite, c'est aussi la limite inf, c'est aussi la limite sup. Donc, vous aurez ici L plus la limite inf de BN, d'où l'égalité. Vous avez la limite inf de AN plus BN égale L plus la limite inf de BN. Bon, on établit de manière similaire, si vous voulez, que la limite sup de AN plus BN égale L plus la limite sup de BN. Ou bien, en utilisant la propriété qui dit que la limite sup d'une suite, c'est moins la limite inf de la suite opposée. Donc, c'est-à-dire, la limite sup de AN plus BN, c'est moins la limite inf de moins AN moins BN. Or, moins AN tend vers L. Donc, d'après le cas précédent ici, vous aurez moins, bien sûr, à l'extérieur, moins L plus la limite inf de moins BN, ce qui donne alors L plus la limite sup. On peut procéder, comme je l'ai dit, bien sûr, par encadrement, comme on l'a fait pour la limite inf. Les inégalités de 1 peuvent être strictes, comme le montre l'exemple suivant. Donc, on considère les deux suites suivantes, à valeur dans, même dans n. La suite à n, c'est 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. C'est-à-dire A0 égale A1 pardon, égale 0, A2 égale 1, A3 égale 2, A4 égale 0. Donc vous avez trois entiers qui se répètent. De même pour BN, c'est 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 jusqu'à l'infini. Donc vous avez B1 c'est 1, B2 c'est 2, B3 c'est 0, B4 c'est 1 et ainsi de suite. Okay? Donc, par exemple ici, on peut dire que A3K c'est 0, les multiples de... 3. Pour A3K, parce qu'on commence à partir de n égale 1. Donc, si vous voulez, ça sera A3K plus 1 avec K appartenant à n. A3K plus 1, A3K plus 2, A3K plus 3, tout simplement. Voilà. Alors, la suite AN plus BN, bien sûr, c'est 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, jusqu'à l'infini. Alors, la limite inf de AN, c'est 0, c'est clair, et la limite sup, c'est 2. Parce que là, vous avez trois sous-suites. La suite constante 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, la suite constante 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et la suite constante 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc, trois valeurs d'adhérence, 0, 1, 2. Donc, la plus petite, c'est 0, la plus grande, c'est 2. De même pour BN, la plus petite valeur d'adhérence, c'est 0, la plus grande valeur d'adhérence, c'est 2. Donc, la limite inf de AN plus la limite inf de BN, c'est 0 plus 0, c'est donc 0. Il est strictement inférieur à la limite inf de AN plus BN. La limite inf de cette suite, c'est 1. Et sa limite sup, c'est 3, okay, qui est égal à 1 ici. Qui est strictement inférieur à la limite inf de AN plus la limite sup de BN. Là, vous avez 0 ici, vous avez 2, donc c'est 2 ici. Qui est strictement inférieur
À la limite sup de a1 plus bn, la limite sup de a1 plus bn c'est 3, qui est strictement inférieure à la limite sup de a1 plus la limite sup de bn, qui est égale à 2 plus 2 égale 4. Donc vous voyez, les inégalités dans cet exemple sont toutes strictes. Bon, bien sûr, vous pouvez former d'autres exemples qui montrent un exemple qui peut montrer une ou deux inégalités, un autre exemple qui peut montrer deux autres inégalités ou trois autres inégalités, ainsi de suite. Passons à l'exercice 2. Application sur les notions de limite infinie, limite sup d'une suite d'ensemble, donc soit n une suite de parties d'un ensemble non vide x, déterminer la limite sup de an et la limite inf de an lorsque an est monotone. Monotone, ça veut dire que la suite est croissante ou décroissante pour l'inclusion, bien sûr. C'est une application facile. On rappelle que la limite sup de an, c'est l'intersection sur m supérieur égal à 1 de la réunion sur m supérieur égal à n de am. Et la limite inf de an, c'est la réunion sur n supérieur égal à 1 de l'intersection sur m supérieur égal à n de am. Donc on suppose que la suite an est croissante, tout d'abord. Alors on a, bon, puisque la suite est croissante ici, donc la réunion quand m supérieur ou égal à n de am, c'est exactement la réunion quand m supérieur ou égal à 1 de am. Parce que la suite est croissante. Bon, parce que qu'est-ce qui manque ici? Il manque a1, a2 jusqu'à an-1. Mais ils sont tous inclus dans an. Par conséquent, la réunion de m égale à 1 plus infini de am, c'est exactement la réunion pour m supérieur égal à n de am. Et l'intersection lorsque m est supérieur égal à n de am, c'est an, bien sûr. Bon, parce que la suite est croissante. Et le plus petit de ces ensembles, c'est an. Les autres ensembles sont tous plus grands qu'eux et contiennent tous an. Donc l'intersection, c'est an ici. OK? Donc, par suite, la limite sup de an. La limite sup de an, par définition, c'est l'intersection des réunions. Donc, c'est l'intersection lorsque n supérieur ou égal à 1 de ces réunions. Or, cette réunion est constante, ne dépend pas de n. Donc, l'intersection, c'est exactement ça. Ça, c'est un ensemble qui est constant, ne dépend pas de n. OK? Donc, la limite sup de an, c'est la réunion. Et la limite inf par définition, c'est la réunion des intersections. Donc c'est la réunion des AN. OK? Donc ça veut dire que la limite inf égale la limite sup égale la réunion. Donc la suite AN est convergence ici. Il converge vers la réunion. Parce que la limite inf égale la limite sup, donc c'est la limite. OK? Supposons que la suite AN est décroissante maintenant. Bon alors, puisqu'il est décroissante, la réunion des AM lorsque M est supérieur ou égal à N, c'est AN, parce que AN c'est le plus grand. Tous les autres ensembles à partir de M égale N plus 1 sont contenus dans AN, parce que la suite est décroissante. Donc la réunion c'est AN. Et l'intersection, elle est constante ici. L'intersection lorsque M est supérieur ou égal à N des AM, c'est l'intersection lorsque M est supérieur ou égal à 1 des AN, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Bon, parce que normalement, si vous regardez cette intersection, c'est l'intersection de m égale 1 jusqu'à n moins 1, inter l'intersection, lorsque m est supérieur ou égal à n. Mais l'intersection de m égale 1 jusqu'à n moins 1, puisque la suite est décroissante, c'est am à n moins 1. Et n moins 1, il est contenu dans am. Donc cette intersection, c'est exactement l'intersection lorsque m est supérieur ou égal à n des am. Donc vous voyez, la réunion lorsque m est supérieur ou égal à n, c'est an. Et l'intersection ici est une constante, quelle que soit n, bien sûr. C'est une constante ici, ne dépend pas de n. Par conséquent, on a la limite sup de an égale la limite inf de an égale l'intersection lorsque n supérieur ou égal à 1 de an, d'après la définition de la limite sup et la limite inf. Donc, la suite an est convergente et, sa limite, c'est l'intersection des an lorsque n est supérieur ou égal à 1. Passons à la deuxième question. Deuxième question, il y a la partie I et la partie 2I. Bon, la partie I que j'ai appelée I ici, dans cette partie, on va montrer que la limite inf est toujours contenue dans la limite sup. Donc, d'après la définition de la limite inf et la limite sup, je reviens à la définition parce qu'on en aura besoin.
Voilà. On veut montrer que cette limite inf là, elle est contenue dans la limite sup. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cet ensemble est contenu dans cet ensemble. Vous fixez cet ensemble, vous l'appelez grand A par exemple. Donc nous voulons montrer que cette réunion-là est contenue dans grand A. C'est bon? Donc ça veut dire que ça revient à montrer quel que soit n, n supérieur ou égal à 1, cette intersection est contenue dans grand A. OK? Voilà. Ça revient à montrer que quelle que soit n, cette intersection, il est contenu dans grand A. Attention ici, je suis obligé de changer l'indice. Je n'ai pas le droit de mettre n, parce que lorsque je dis quel que soit n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que je fixe n. Ok? Si je mets ici l'intersection sur n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que n est variable. N variable, n fixe, c'est absurde, c'est contradictoire. Donc, quel que soit n, l'intersection m supérieur ou égal à n de a n, a m, vous voyez, le n est fixe ici, est contenu dans la limite sup. La limite sup, c'est l'intersection lorsque, là, je peux mettre ce que je veux ici, à l'exception de n. Je peux mettre ici p, q, ce que vous voulez. Donc, c'est l'intersection sur p supérieur ou égal à 1 de la réunion sur m supérieur ou égal à p de a m, bien sûr, c'est la limite sup ici. C'est toujours la limite sup. Donc, dire que cette intersection-là, cet ensemble-là, vous l'appelez par exemple b. B, il est contenu dans une intersection. Ça veut dire que B est contenu dans chaque ensemble de cette intersection. Donc ça revient à montrer, quel que soit N supérieur ou égal à 1, quel que soit P supérieur ou égal à 1, cette intersection-là est contenue dans cette réunion. Voilà. Attention, si on n'avait pas fait attention, on a mis le N ici, on aura, quel que soit N, l'intersection, cette intersection est contenue dans la réunion M supérieur ou égal à N, et ça c'est faux. Okay, ce n'est pas équivalent à l'inclusion cherchée. Okay? Donc, tout revient à montrer, quel que soit n supérieur ou égal à 1, quel que soit p supérieur ou égal à 1, cette intersection est contenue dans cette intersection. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, on va montrer ceci. Et c'est très facile. Donc, soit n supérieur ou égal à 1 et soit p supérieur ou égal à 1. Fixé. Soit n et p supérieur ou égal à 1. Et soit q, le maximum de n et de p. Alors, il est clair que cette intersection est contenue dans AQ. Parce que AQ figure dans cette intersection. Puisque Q est supérieur ou égal à N. Q, c'est le sup de N et de P. Donc Q, il est supérieur ou égal à N. Donc il figure dans cette intersection. Donc cette intersection, il est contenu dans AQ. De même, AQ figure dans cette réunion ici. Parce que Q, il est supérieur ou égal à P. Q, c'est le sup de N et de P. Donc AQ figure dans cette réunion. Donc AQ, il est contenu dans cette réunion. Ce qui achève la démonstration. C'est évident, il suffit de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez que la méthode précédente est une méthode directe. On a montré l'inclusion d'une manière directe. Mais la méthode directe n'est pas toujours possible. Hein? Souvent, il faut raisonner par les X, par l'appartenance. X appartient à équivalent, X appartient à implique, et ainsi de suite. Moi, je préfère cette démonstration. Okay. Donc, si x appartient à la limite inf de an, bon, par définition, la limite inf, c'est la réunion sur n des intersections sur m, m supérieur ou égal à n. Donc, dire que x appartient à la limite inf, ça veut dire qu'il existe, parce que vous avez la réunion, il existe un n qui dépend de x, bien sûr, supérieur ou égal à 1, tel que x appartient à l'intersection. C'est-à-dire, tel que quel que soit m supérieur ou égal à nx, x appartient à m. Ça, c'est la définition de la limite inf. Okay. Donc, soit n supérieur ou égal à 1, et soit mx, on veut montrer que x appartient à la limite sup. Et qu'est-ce que ça veut dire x appartient à la limite sup? Par définition, c'est l'intersection sur n de la réunion sur n. Hein? Donc, ça revient à montrer, quel que soit n, il existe m tel que x appartient là à n. Donc, soit n, puisqu'on veut montrer quel que soit n, soit n supérieur ou égal à 1, fixé, et soit mx, le sup de n est de nx. Donc là, il dépend de x, bien sûr. Alors, mx, il est supérieur ou égal à n. Il est aussi supérieur ou égal à nx. Donc, mx, il est supérieur ou égal à n. Et x appartient à mx, d'après 1. Parce que quel que soit m supérieur ou égal à nx, x appartient à m. Comme mx est supérieur ou égal à n, alors x appartient à mx.
Bon, par suite, x appartient à la réunion lorsque m est supérieur ou égal à m, puisqu'elle appartient à mx. Et mx, il est supérieur ou égal à n. Donc, x appartient à cette réunion-là. Et ceci, quel que soit n. Donc, x appartient à l'intersection quand n supérieur ou égal à 1 de la réunion quand n supérieur ou égal à n de am. C'est-à-dire, x appartient à la limite sup de am. D'où le résultat. Montrons que la limite f de an égale la limite sub de anc, le complémentaire de la limite sub de anc. Bon, on a d'après les propriétés de l'intersection et de la réunion, la limite sup de anc, je commence par, par cet ensemble, donc la limite sup de anc, le complémentaire de la limite sup de anc, bon, par définition, voilà le complémentaire, je le garde, donc la définition de la limite sup, c'est l'intersection de la réunion des amc, bien sûr. Et d'après les propriétés de l'intersection et de la réunion, le complémentaire d'une intersection, c'est la réunion des complémentaires. Le complémentaire d'une réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Donc, j'obtiens ici la réunion de l'intersection du complémentaire ici, c'est-à-dire de AM. Donc, c'est la réunion des intersections de AM, c'est-à-dire exactement la limite 1. Et c'est une propriété importante. Parce que si on a établi, par exemple, une certaine propriété pour la limite sup, cette propriété permet de l'établir pour la limite inf, sans refaire la démonstration. Troisième question, qu'est-ce qu'il y a dans la troisième question? Voilà. Voilà. Montrer que qui de la limite sup de an égale la limite sup de qui à n, et qui de la limite inf égale la limite inf de qui à n. Bon, cette propriété, il fait la liaison entre la limite sup d'une suite de fonctions, regardez, la limite sup d'une suite de fonctions, et la fonction caractéristique de la limite sup de la suite AN. Donc, il fait la liaison entre les limites sup ensemblistes et les limites sup fonctionnelles. OK? Limite inf ensembliste et la limite inf fonctionnelle. Via, bien sûr, les fonctions caractéristiques. C'est presque évident. On rappelle l'une des propriétés des fonctions caractéristiques, que qui de la réunion, c'est la borne supérieure des qui, des fonctions caractéristiques. Et qui de l'intersection, c'est la borne inférieure des fonctions caractéristiques des éléments de la suite. Donc en appliquant ces deux propriétés-là, on a immédiatement le résultat. Qui de la limite sup, c'est qui de l'intersection de la réunion. Et on sait que qui de l'intersection, c'est la borne inférieure. Donc c'est l'inf lorsque n supérieur égal à 1 de qui de la réunion. Et on sait que qui de la réunion, c'est la borne supérieure. Donc c'est l'inf lorsque n supérieur égal à 1, de la borne supérieure lorsque m supérieur égal à n de qui de am. Et ça, c'est exactement la limite sup de la suite de fonctions qui de am. Bon, on établira de même que qui de la limite inférieure est égal à la limite inférieure de qui de am. En passant à la question 4. Ah. Dans cette question, on va montrer que cette différence symétrique est égale à cette réunion. On va montrer l'égalité dans cette question. Bon, commençons d'abord par l'inclusion directe, par cette inclusion, établissant cette inclusion. Bon, la méthode directe ici, je crois qu'il est très compliqué. Okay? Donc il faut raisonner avec x appartient, parce que l'inclusion, ça veut dire que x appartient à cet ensemble, implique x appartient à cet ensemble. Ceci, quel que soit x appartient à grand X. Quel que soit x appartient à grand X, x appartient à cet ensemble implique x appartient à cet ensemble. C'est ce qu'on va faire. Donc soit x appartient au premier ensemble, soit x appartient à cette différence symétrique. Or cette différence, bien sûr, cette différence symétrique, c'est la différence. C'est la différence parce que l'intersection est contenue dans la réunion. En général, A delta B, c'est A moins B union B moins A. Mais si B est inclus dans A, A delta B, c'est A moins B, bien sûr. Parce que B moins A est vide dans ce cas. Donc, puisque l'intersection est contenue dans la réunion, cette différence symétrique, c'est exactement la différence ordinaire. C'est la réunion moins l'intersection. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à cette différence? Ça veut dire que x appartient à la réunion et x n'appartient pas à l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire x appartient à la réunion? X appartient à la réunion, ça veut dire qu'il existe p supérieur ou égal à 1 tel que x appartient à AP. Qu'est-ce que ça veut dire? X n'appartient pas à l'intersection. Ça veut dire qu'il existe Q supérieur ou égal à 1, et que X n'appartient pas à AQ. Donc, il existe deux entiers
PQ supérieur ou égal à 1, tel que x appartient à AP et x n'appartient pas à AQ. C'est-à-dire x appartient à AP moins AQ. C'est pas ce que nous voulons. Hein. Nous voulons montrer qu'il existe n appartient à n supérieur ou égal à 1, tel que x appartient à AN delta AN plus 1. Avec là, vous avez deux entiers successifs, n et n plus 1. Ici, on a deux entiers quelconques qui ne sont pas nécessairement successifs, P et Q. Donc, il faut montrer qu'il existe un, il faut construire un n, il faut montrer qu'il existe un n supérieur ou égal à 1, tel que x appartient à n moins, ou delta, bien sûr, delta à n plus 1. Donc, pour cela, on considère les ensembles suivants. OK? I indice x, parce qu'il dépend de x. Je rappelle que x est fixé, OK? X, il est dans cette différence symétrique. Donc, Ix, c'est l'ensemble des entiers supérieurs ou égaux à 1, tel que x appartient à n. Et Gx, c'est l'ensemble des n appartient à n étoile, tel que x n'appartient pas à n. Bon, l'entier P ici, voilà, l'entier P, il appartient à x, parce que x appartient à P. Donc, P appartient à x. L'entier Q appartient à Gx, parce que x n'appartient pas à Q. OK? Donc, déjà, vous avez Ix et Gx sont non vides. Et ils sont contenus dans une étoile. Un ensemble non vide, une partie non vide de n étoiles admet toujours un minimum. Ok, il suffit qu'il soit un non vide, bien sûr. Bon, donc Ix et Gx sont non vides d'après deux, après ceci. De plus, il est clair que x inter Gx égale le vide. C'est évident, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois x appartient à n et x n'appartient pas à n. Ok, et x union Gx égale n étoiles. Bien sûr, parce qu'on a soit x appartient à n, soit x n'appartient pas à n. C'est-à-dire, soit n appartient à x, soit n appartient à gx. Voilà. Donc, soit n0 égale min de x, qui existe, bien sûr, parce que x est non vide. C'est une partie non vide de n étoile. De même, soit m0 égale min de gx, qui existe, bien sûr, parce que gx est une partie non vide de n étoile. Il est clair que n0 est différent de m0, pardon, parce que x inter gx égale le vide. Donc, n0 est différent de m0. Bon, on distingue deux cas. Si n0 est strictement supérieur à 1, et le deuxième cas, n0 égale 1. Si n0 est strictement supérieur à 1, alors n0 moins 1, il est supérieur ou égal à 1. n0, c'est le minimum de x. Donc, il appartient à x. n0 appartient à x. Qu'est-ce que ça veut dire n0 appartient à x? Ça veut dire que x appartient à n0. Donc, vous avez déjà x appartient à n0. Et x n'appartient pas à n0 moins 1, par définition de n0. Parce que si x appartient à n0 moins 1, le minimum de x ne serait pas égal à n0. Il sera inférieur ou égal à n0 moins 1, ce qui est absurde. n0, c'est le minimum. OK? C'est le minimum de x. Donc, vous avez x appartient à n0 et x n'appartient pas à n0 moins 1. Donc, ça veut dire que x appartient à n0 moins 1 delta à n0, qui est contenu dans cet ensemble, parce que n0 moins 1 et n0 sont des entiers successifs. Et ça, bien sûr, parce que c'est dû au fait que n0 est strictement supérieur à 1. OK? Parce qu'il faut aussi que n0 moins 1 soit supérieur ou égal à 1, pour parler de an0 moins 1. Donc, on a montré que x appartient à cette réunion. L'autre cas, si n0 égale 1, alors comme m0, regardez là, comme m0 est différent de n0, alors m0, il est strictement supérieur à 1. Il ne peut pas être égal à 1 parce qu'il est différent de 1. Donc m0, il est différent de n0, c'est-à-dire m0 est différent de 1, donc m0 est strictement supérieur à 1. Par définition de m0, c'est un résultat similaire. m0, c'est le minimum de gx. Donc, ça veut dire que m0 appartient à gx. Donc, x n'appartient pas à m0. Donc, vous savez, x n'appartient... Où est-elle? Voilà. X n'appartient pas à m0. Hein? Mais il appartient à m0 moins 1. Parce que sinon, si x n'appartient pas à m0 moins 1, bon, ça veut dire que le minimum de gx, ce n'est pas m0, ce qui est absurde. Vous avez x appartient à m0 moins 1 d'après la définition du minimum. X appartient à m0 moins 1, x n'appartient pas à m0, donc x appartient à m0 moins 1, delta à m0. M0 moins 1 et m0 sont deux entiers successifs, donc x appartient à cette réunion. Ce qui achève donc la démonstration de l'inclusion. L'inclusion directe. Bon, l'inclusion inverse est presque évidente. En effet, si x appartient à cette réunion, alors il existe n supérieur ou égal à 1,
c'est que x appartient à n, delta à n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à cette différence symétrique. Ça veut dire qu'il appartient à n et x n'appartient pas à n plus 1. Ou x appartient à n plus 1 et n'appartient pas à n. Donc, x appartient à l'un des deux, il n'appartient pas à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à l'un des deux? Ça entraîne qu'il appartient à la réunion. X n'appartient pas à l'un des deux. Entraîne que x n'appartient pas à l'intersection. Donc, x appartient à la réunion parce qu'il appartient à l'un des deux. OK. Pardon, ici, c'est. Je dois mettre P ici. Non, non, pas P. Un autre entier. OK. I, par exemple, de I égale 1, parce que n est fixe. Il existe n. OK. Il existe n. C'est pas grave. Donc, x appartient à cette réunion et x n'appartient pas à cette intersection. Autrement dit, x appartient à cette différence symétrique. Donc, ce qui montre alors qu'on a l'égalité. En déduire, bon, la question suivante. En déduire que la limite sup de AN delta la limite 1, c'est la limite sup de AN delta N plus 1, successif ici. Deux indices successifs, N et N plus 1. En utilisant le résultat de A, de la question précédente, on obtient la limite sup de AN, delta la limite inf de AN, c'est la limite sup de AN moins la limite inf de AN. Parce que la limite inf de AN, elle est inclue dans la limite sup. Donc la différence symétrique coïncide avec cette différence. OK? Donc la limite sup de AN, c'est cet ensemble, c'est l'intersection de cette réunion. Inter le complémentaire, parce que la différence symétrique, c'est inter le complémentaire de cet ensemble. Donc c'est inter le complémentaire de la limite inf. Voilà le complémentaire, voilà la limite inf à l'intérieur. Donc c'est la limite sup inter le complémentaire de la limite inf. Donc vous avez la limite sup, la voilà. OK? Inter, pour le complémentaire d'une intersection, c'est la réunion des complémentaires. Je ne change pas cette intersection, je change uniquement la réunion ici. Donc c'est l'intersection des complémentaires. De complémentaires. Bon, pour vous simplifier la tâche, vous posez cet ensemble égal BN, l'ensemble entre parenthèses ici, et l'ensemble entre parenthèses ici, hein, égal, avec le complémentaire bien sûr, égal CN. Juste pour que l'étape suivante soit plus claire. Donc qu'est-ce que vous avez ici? L'intersection de BN inter l'intersection de CN. Donc c'est l'intersection de BN inter CN. L'intersection n supérieure ou égale à 1 de Bn inter Cn. Vous oubliez maintenant le Bn et Cn, ok? C'est juste pour comprendre. Voilà. Donc c'est l'intersection sur n supérieure ou égale à 1. Vous avez A, un ensemble A inter BC, c'est A moins B, bien sûr. Donc c'est cet ensemble moins cet ensemble qui est entre parenthèses, sans le complémentaire, bien sûr. Donc c'est l'intersection de la réunion des An moins l'intersection. Donc regardez qu'est-ce qu'on a obtenu ici. Une réunion, M supérieur ou égal à N, moins l'intersection. Et d'après A, d'après la question A, cette réunion moins cette intersection, c'est la réunion lorsque M supérieur ou égal à N de AN delta AN plus 1, d'après la question A. Dans la question A, on commence à partir de 1, ici on commence à partir de N. Bon, bien sûr, c'est la même propriété. OK? Donc, et cet ensemble-là, c'est exactement la limite sup de AN delta AN plus 1. Voilà, merci de votre attention.